The objective of the Arle Rhone 3 mission is to excavate the ancient port dump in the old city of Arle and to raise the boat to the surface. Le bateau, il est recouvert par 3 mètres de sédiments. Donc ce sédiment, c'est un mélange d'argile, de sable et de milliers d'objets archéologiques, donc des amphores entières, des céramiques entières, des tessons cassés. Il y a une grosse phase où on a creusé et on a enlevé le terrain jusqu'au haut des flancs du bateau. On creuse des tranchées de part et d'autre du bateau. Et ces tranchées font en général entre 1,20 m et 1,50 m de profondeur. Eh ben, c'est-à-dire qu'au départ, on a quand même théorisé à fond sur une idée de système d'élevage. La pratique a fait qu'il y avait des choses à régler, des choses qui étaient un peu plus compliquées. La phase la plus compliquée, c'est le moment où on pose le berceau autour du tronçon. At the bottom of the Rhone, for several days, divers make the cradle, a structure that will surround the wreckage. Déjà, c'est une chose, c'est-à-dire qu'on ne sort pas l'ensemble du bateau en même temps. On le sort en tronçons qui font entre 3 et 4 mètres. Using a handheld saw, the divers cut the barge into different sections. This delicate operation will precede the final raising of the boat. Le type de manœuvre qu'ils font, c'est-à-dire déplacer des charges de 4 tonnes qui passent de sous l'eau à 1 mètre au-dessus de l'eau, nous, on ne fait pas ça en archéologie. Donc c'est vraiment cette bicompétence et ce groupement qui est intéressant. J'ai beaucoup réfléchi à la méthode pour lever l'épave. Et évidemment, j'avais envie, sur ce tronçon, d'être dans l'eau pour voir comment ça se passe. Là, il y avait une petite fierté personnelle. Qu'est-ce que tu dis, Ben? Tu peux me renvoyer l'air. Ok, je t'envoie. Donc là, en fait, c'est moi qui menais l'opération d'une manière un peu plus traditionnelle. Presque, je devrais être en surface, en fait, pour contrôler que tout se passe. The raising of the first section is a test for the Okana and ipso facto teams. Ouais, je vois bien, ouais. Rive droite. Ok, merci. John is the liaison between the pontoon teams and the divers. Ok. Bon, en attendant, je suis sur le berceau, j'attends les chaînes. Ok, mais encore un moment, il faut qu'on sorte les deux suceuses et après, il faut qu'on fasse le mouvement de ponton. The countdown to raise the boat has begun. Un tout petit peu en amont, ouais. Ok, donc on va remonter. Garde ça. Ok, c'est bon. Gradually, the section leaves the ancient port dump. The divers direct operations from the depths of the river. While on the surface, the worried archaeologists wait to see the wreckage. On August 1st, 2011, after several months of work, the Arle Rhone 3 teams raise the first of 10 sections of the ancient boat. Arle Rhone 3, excavation, raising, restoration.